Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré aujourd'hui à Dying Light. Salut les gamers, rappelez-vous, la semaine dernière, à peine arrivé, je m'étais fait péter la tronche et ramassé dans le caniveau par une jeune fille. Et je me réveille. Bon, assez plaisanté. Va en salle 190. Le boss te fera un topo. Et je cherche. C'est toi le boss? C'est qui ce boutonneux là? Allez, laisse-moi sortir, mec! Sois prudent, on a déjà perdu trop de monde. Ouais, ouais, je vais être prudent, je vais péter du zombie! Oui, 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 du zombie! Du zombie! Oh putain! Eh merde, je traverse la rue et je tombe sur un petit vieux! Ils sont où les zombies là? Censé recevoir un vaccin. Quoi? Non, non! Allez, fais péter le vaccin, le vieux! Tu auras l'antizine quand moi. Oh l'emmerde, je l'aurais décidé pas avant. Salut, Cody! Bon! Alors, après de multiples cinématiques et quelques zombies qui traînaient un peu à droite et à gauche, enfin, je suis en multijoueur. Ah, alors, on va dégoûter les zombies, du zombie, du zombie. Je veux du sang, faut que ça saigne, quoi. Ah, il est gros balèze, lui. Alors, ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on trouve un petit peu de tout en matière de zombies. Des zombies qui explosent, des zombies qui vous crachent dessus, des gros zombies avec des masses, des petits, des qui courent, des qui sentent mauvais, il y a de tout. Bon, eh ben il y a foule ici. Super. Ouh, il y a des zombies partout. Il y en a peut-être un petit peu trop. Heureusement pour moi, ce jeu est jouable jusqu'à 4 joueurs en coopération. Que du bonheur. De toute façon, il ne peut en rester qu'un, et ce sera moi. Bon, si vous aussi vous trouvez qu'il y en a peut-être un petit peu beaucoup, croyez-moi, la nuit, on s'ennuie pas du tout non plus. C'est bien pire, je dirais même. Bon, enfin, je suis pas ici pour rien, c'est parce que je vous passe la cinématique, il y avait un mec qui m'avait demandé de venir ici pour chercher des ampoules, parce que les ampoules sont bleues et qu'elles font mal aux zombies, et comme ça, ça fait des zones safe, et que, bon, blablabla. Mais bon, arrivé en haut, la tentation était grande. Attention, c'est une culte. Ouais, je suis vivant. La tentation de quoi, me direz-vous? Eh ben, la tentation de faire des conneries. Oh oui, vas-y, saute, Tony, tu veux voir, c'est trop jouissif. En fait, tu t'éclates à mort, toi, n'est-ce pas? Le lendemain, alors que Griff se connectait, plutôt que d'apparaître dans une zone safe, il apparut. Et il a changé d'avis sur ce putain de jeu, il pensait qu'il était génial, mais en fait c'est de la merde quoi. Gagro, du caca, c'est pas bien, berk. Non mais il vaut mieux les... Hey, si tu les as pas, il vaut mieux les acheter, parce que certainement... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais... Merde. Putain de jeu de merde, on vient de me mettre dans une zone safe. Je me suis fait bouffer la rate. Putain. Allez, on joue à tous.